Je veux dire, c'est samedi 17 décembre 2022. Et semaine ça, nous rentrons dans la 13e leçon dans le questionnaire. Ça. Leçon 13 qui vient pour titre, le processus du jugement. Rappelez le monde début des jugements, qu'est-ce qu'on saute, il y a des gens qui ont pété courir. Semaine ça, nous allons voir, nous pas pour nous peur lorsque la Bible a parlé de jugement. Femme Jobé, c'était tout, nous prions ensemble, Papa mon Dieu. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel, merci Papa. Merci parce que vous toujours guidez nous, toujours protégez nous, vous toujours pensez pour nous, vous toujours voyez pour nous nourriture chaque jour. Papa, semaine ça, nourris-nous une autre fois encore. Nous prions au nom de Jésus. Amen. J'aime ça tous les amis, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble avec vous, pour nous capables d'étudier ensemble parole de Dieu. Semaine ça, c'est 13e leçon 1, le processus du jugement. En Haïti, nous connaissons des gens qui disent que les gens mènent non la justice, ils ne sont pas. Et nous, on a grandi même côté nous peur question justice. Alors, semaine ça, nous allons pas pour nous peur. Puisque juge qui va juger nous, c'est lui-même encore qui l'a pour défendre nous. Verset, nous allons pour nous méditer sur l'Ibada toute semaine. Ça, nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, verset 10, qui dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Pendant toute leçon, ça, on a dit que l'homme, moi, ensemble avec nous, nous gagnons une seule destination, nous avons choisi entre deux. Dieu nous ferme jeudi, hein, lorsque Dieu nous ouvre pour nous rencontrer avec maintenant, ou bien pour la mort éternelle, jugement, jugement final. Là. Alors, quittez-nous un bagage, pendant la semaine, ça nous va le jugement, bon Dieu, a y a plusieurs phases. Là. La Bible, lorsque la Bible a parlé de jugement, il y a plusieurs phases dans le jugement. Pendant que nous vivons le bon jugement qu'a fait, il y a plus de monde qui a des difficultés pour comprendre la question du jugement. Yo. OK, semaine ça nous pral bien comprendre. Pendant la vivre le jugement qu'a fait, songez lorsque Jésus retournait la prend petite li nous monter pour nous passer 1000 ans dans le ciel. Pendant 1000 ans ça pral gon l'autre jugement qu'a fait, c'est jugement pendant le millénium et le jugement exécutif. Jugement exécutif ça c'est lui qui pral fait après 1000 ans fin passé, là méchant pral détruit net. Frères sœurs, amis et lorsque Jésus a venu pour juger le monde là, son façon pour le bail moi-même, pour le bail ou même justice, nous pas pour nous peur. Au contraire, nous devons faire que nous content. Parce que toute souffrance, toute injustice pour le finir. Bon Dieu, pas ta besoin et y a un jugement pour le connaître qui moun kap péri, qui moun kap gen la vie éternelle. Il pas ta besoin un jugement. Mais bon Dieu, son Dieu qui est juste. Puisque péché a été pris naissance dans le ciel là, Lucifer descend avec elle sous terre. OK, faut jugement son façon pour montrer vraiment bon Dieu son Dieu qui est juste. Parce que pendant toute semaine ça on a dit ennemi objectif li c'est faire mentir sur papa bon Dieu, montrer un Dieu qui méchant, un Dieu qui dit nous faire une série de bagarres, lui même li pas fait. Songez, Jésus est venu pour te montrer, c'est pas vrai. Jésus est venu pour te montrer vrai caractère, papa. Maintenant, dans le jugement, ça, nous allons voir vrai caractère, papa, bon Dieu. Et c'est là, tout le monde net pour le crier, pour le répéter, oui, bon Dieu juste. Dieu est juste. Moi, je dis, bon Dieu, pas ta besoin d'un jugement pour le connaître qui est perdu, qui est sauvé. Parce que le connaît tout le bagaille. Non. 1 Jean 3, verset 20, dans Job 37, verset 16, il dit nous, bon Dieu, compte tout bagay. Même si on a rentré dans le fait, nous avons tout fait, nous avons fait, comme si vous pensez personne ne parle. Bon Dieu, connaît. Bon Dieu, pas ta besoin de jugement pour le connaître qui est ce qui a perdu, qui est ce qui a sauvé. Mais il fait pour le montrer à toute l'humanité que bon Dieu, juste. Bon Dieu, juste. Et moi, je dis que, vous n'avez pas pour peur, question jugement ça. Ou pas pour faire cœur sauter parce que moun ka juge ou là c'est lui même qui est avocat ou, c'est lui même qui là pour le capable défendre puisque les jugements de Dieu sont en effet un acte divin perpétué pour le bien de ses créatures à la fois dans le ciel et sur la terre.
jugement qui pourra le faire là, c'est pour bien. Jugement qui pourra le faire là, c'est pour bonne justice. En pile fois, moi, je suis avec vous qui vivent sur la terre, nous subissons injustice. Nous faisons face avec un pile juge corrompu. C'est ça qui fait depuis notre temps de jugement, nous avons un grand monde qui pourra le condamner. Dans le jugement, ça, petit bon Dieu, il n'est pas condamné. Le jugement, ça, il est là pour justifier petit bon Dieu. Il est là pour le capable rendre moi-même ensemble avec vous juste aux yeux de tout le monde. Que dans le Nouveau Testament, que dans l'Ancien Testament, nous avons un pile texte qui dit bon Dieu a venu pour juger le monde. Moi-même ensemble avec vous, bon Dieu est pour juger nous. Mais je répète ça pour vous encore. Si vous mettez au bon côté jugement, un jugement en faveur, ou besoin fait yon pas pour mettre au bon côté le juste juge qui est Jésus-Christ. En tant que avocat nous et juge nous déjà gagné jugement ça. Nous avons sorti justifié dans jugement ça. Pendant semaine ça, nous allons examiner tout processus jugement qui pourra gagner pendant la fin des temps. Moi ensemble avec vous, on a vu dans la fin des temps. Moi, je dis, bon jugement qu'a fait actuellement, avant Jésus retourner, bon jugement qu'a fait. Et la fête, lorsque n'a pas passé bilan dans le ciel là, bon l'autre jugement, et jugement exécutif là pour finir à toute bagaille, c'est après bilan, lorsque Jésus lui-même lui retourner. Et là, lui pour aller finir avec méchant yo, pour toujours, méchanceté pas exister encore, péché pas exister encore. Crier pas exister encore, c'est pour le cœur content, net alcoolé. Semaine ça, le son pour vraiment intéressant, puisque demain, si Dieu veut, nous pour le jugement final. Dans lundi, le jugement d'avant la seconde venue de Christ. Mardi, le jugement pendant le millénium. Et mercredi, le jugement exécutif. Jeudi, la seconde mort. Et vendredi, il n'a pas fait partie vendredi. Hein? Comme moi, pas de pile question semaine ça, semaine passée, bah on est semaine ça, a gagné un pile question pour nous capable répondre sous la Bible en mer. Alors, amis, le son annoncer les couleurs. Moi, invité ou venir étudier ensemble avec nous chaque jour pendant semaine ça pour bien comprendre question jugement ça. Ou pas loin, lorsqu'on finit étudier, ou pas peur lorsqu'on entend des jugements encore. Lorsque la Bible parle de jugement parce que et verset à mémoriser a dit non, ça, annulé encore. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous toutes nettes apparaître devant tribunal ça. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Moi, je m'en avec vous, nous nous juger. Mais songez ça, Mzoulan. Ou même qui choisit fait ça, mon Dieu m'a dit. Ou même qui choisit vivre selon la volonté de Dieu, jugement ça li pa la pour justifier ou, li pa la pour condamner ou. Moun ki pa le condamner, c'est moun ki pa décidé mette yo bon côté papa bon Dieu. Semaine ça nous pral développer thème ça plus. N'attend nous invitons l'autre monde pour étudier ensemble avec nous. Et sou remet travail k'a fait là, toujours mettons like, partager là avec l'autre monde et pou ka font commentaire, dis nous ça penser et ou ka poser question tout, n'a pas répondre question yo. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Semaine ça, c'est avant dernière semaine pour questionnaire ça. Ou même pendant trimestre ça, qui t'est raté quelques jours, qui t'ont déjà négligé, faut genre trimestre qui a venu pour capable à chaque jour pour étudier parole bon Dieu ensemble avec nous. Que papa bon Dieu bénisse, fais mes yeux baisser tête toi nous prier ensemble. Seigneur, merci parce que ou c'est juge nous. Merci parce que vous êtes avocat nous. Merci parce que vous faites nous connaître, nous pas gagner pour nous peur, vous connaissez toute bagaille. Décision pour juger nous, décision pour juger tout le monde, c'est pour tout le monde. Ouais, que vous son Dieu qui est juste, contrairement à ça et bien à pédissou. Papa, aidez-nous pour nous capable marcher bon côté juste ça, pour nous marcher bon côté juste juge ça. Et lorsque vous arrivez, tout la va justifier nous. La varelle nous juste, même j'en le fait pour Abraham. Fais-nous grâce, nous prions au nom de Jésus. Amen.